entré dans ma vie sur la pointe des pieds. Tout doucement, tu t'es blotti sur mon cœur, t'as déposé des petits bouts de ton paradis, tes rêves et tes baisers ont envahi mon esprit. Tu ne m'as plus jamais quitté. Puis un jour, j'ai compris que je pourrais plus vivre sans t'aimer. Tout mon courage, ça m'a pris pour que j'ose enfin te demander. Aimons-nous et que rien ne nous sépare. Oui, c'est fou, je sais, mais tu me donnes envie d'y croire. Je veux tout de toi, de nous, de notre histoire. Oui, c'est fou, je sais, mais je te le demande ce soir. Marie-moi. Marie-moi. T'es entré dans ma vie, petit ange, tu t'es posé sur mes paupières endormies. Puis tu t'es faufilé jusqu'au creux de mes nuits, dans mes rêves éveillés. T'es ma plus belle insomnie, celle qui me fait rêver. Si je te disais qu'aujourd'hui nos vies s'apprêtent à changer. Je veux être ton homme, ton mari, celui qui toujours va t'aimer. Aimons-nous et que rien ne nous sépare. Oui, c'est beau, je sais, mais tu me donnes envie d'y croire. Je veux tout de toi, de nous, de notre histoire. Oui, c'est beau, je sais, mais je te le demande ce soir. Marie-moi. 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 Aimons-nous et que rien ne nous sépare. Marie-moi. Oui, c'est fou, mais tu me donnes envie d'y croire. Marie-moi. Je veux tout de toi, de nous, de notre histoire. Marie-moi. Oui, c'est fou, mais je te le demande ce soir. Aimons-nous et que rien ne nous sépare. Oui, c'est fou, je sais, mais tu me donnes envie d'y croire. Je veux tout de toi, de nous, de notre histoire. Oui, c'est fou, je sais, mais je te le demande ce soir. Marie-moi. Marie-moi. For alarm, when I found you,
des personnes concernées. Je vais inviter, j'ai oublié de dire à la barre, mais je vais dire à la barre de Dieu. Amen. Amen. Le frère Évariste.
ouvre la bénédiction nuptiale de deux personnes très chères. Deux personnes très chères pour cette église. L'église protestante baptiste de Liège à Mercœur. Ces deux personnes s'appellent Julienne, qui est là. Alléluia. Amen. Et Évariste aussi qui est là. Amen. Voilà donc, vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu ici. Pour tous ceux qui sont des visiteurs, cette église s'appelle Assemblée protestante baptiste de Liège. Ça fait partie de l'Union des baptistes en Belgique. Le culte d'aujourd'hui sera présidé par moi-même, ainsi qu'il est marqué. Le pasteur titulaire qui est là va bénir le couple. Et le pasteur Fernand va apporter la parole. Sans plus tarder, je vais donc inviter notre pasteur. Mais avant que qui dit-moi, j'aimerais qu'on se salue. Saluez-vous à gauche, à droite. Saluez-vous, ça fait du bien. Merci. Tu es le témoin de leur union. Que tu leur adresses maintenant ta parole. Tu es avec eux le premier jour, comme tu veux être avec eux tous les jours jusqu'au dernier. Nous te louons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous sommes toujours debout. Je veux vous inviter donc à chanter ce premier cantique qui va être conduit par le groupe de louanges. Et je vous informe que ce groupe de louanges, c'est le groupe dans lequel notre frère Emmaüs évolue. Amen. Donc, en tant qu'utile, il devait être là aussi devant. Mais comme il est concerné, voilà. Donc ce cantique, Roi de mon salut, est un de ses cantiques préférés qu'il chante. Donc je chante sans plus tarder, je vous invite donc à pouvoir prendre le feuillet. Si vous n'avez pas eu de feuillet, demandez s'il y en a encore comme ça, vous l'avez, et vous pouvez suivre ce premier cantique. Oh,
Dieu soit béni. Vous pouvez prendre place et nous écoutons l'institution et les instructions du mariage. Écoutez mes frères et sœurs, comment Dieu a institué le mariage. Et sinon, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa l'homme à son image. Il créa homme et femme, puis les bénit. Et leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. N'avez-vous pas lu, ajoute notre Seigneur, Jésus-Christ, que le Créateur au commencement fit un homme et une femme, c'est pourquoi l'homme verra son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un. Et l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voici quelques instructions. Nous lisons dans l'Écriture sainte, si l'Éternel n'est bâti la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je crois qu'il a expérimenté cela, il risque. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux n'éteindraient pas l'amour. Les fleuves ne sauraient le submerger. Et si un homme offrait tous ses biens pour acheter l'amour, il ne recueillerait que le mépris. Il recueillerait que le mépris, pardon. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant le jour si fugitif que Dieu t'accorde sous les soleils. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et jamais de mal. Elle veille sur toute la maison. Ses filles s'élèvent pour la dire, heureuse de son mari pour célébrer sa louange. La bonté du Seigneur durera jamais pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Seigneur, je me réjouis de ta promesse, comme celui qui a trouvé une grande maison. Voici enfin mon frère Évariste et ma sœur Julienne, comment, selon le témoignage des apôtres, votre amour sera gardé et sanctifié. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Faites là avec honneur et conduisez-vous envers elle avec discernement. Ainsi, mon frère, si le mari est le chef de la femme, c'est pour qu'il la protège, l'encourage, et la dirige avec douceur et avec prévenance et souvenant que l'homme appartient à sa femme comme la femme appartient à son mari. D'où est possible qu'il y ait de grands prix devant Dieu. Apprenez à aimer votre mari et vos enfants, à vous occuper de votre maison, à exercer l'hospitalité, à faire ce qui est bon, sans vous effrayer de rien. Tous deux, reconnaissant de la grâce qui vous est faite, initiez-vous l'un à l'autre dans l'amour du Christ. Cet amour est patient. Il est plein de bonté. Il ne connaît ni l'envie, ni l'orgueil, il n'est ni malhonnête, ni égoïste. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
antique mélodie d'amour, justement. C'est un cantique qui a été dédié pour accompagner ce couple. Merci. Mélodie d'amour, la voix de ton frère, la voix.
qui est un de nos pasteurs, qui est toujours avec nous ici. Chaque fois qu'il y a des occasions, il ne manque pas de venir. Et nous sommes très contents. J'aimerais que nous montrions que nous sommes très contents. Alléluia. Entre les deux serviteurs de notre Seigneur et de notre Dieu. Je remercie mon papa, le pasteur de cette église, pour cette invitation. Je remercie les couples, frères et Varis et la sœur Julienne, pour cette invitation, ainsi que l'ensemble de l'église, de m'avoir associé à cet événement. C'est avec joie que je suis venu aujourd'hui. Amen. Et je n'ai pas voulu que mes enfants et que ma femme puissent rater cet événement. Ils sont en route, Dieu voulant. Ils vont aussi nous se joindre à nous pour pouvoir célébrer cet événement. Amen. 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 Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 9. Et le verset 10. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Deux valent mieux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Prions quelques instants. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Illuminez, nous éclairer, et même sur les sentiers de la vie, de ce couple d'or et déjà, sois celui qui illumine et qui éclaire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais nous entretenir sur le thème « Servir en tant que famille ». Servir en tant que famille. J'ai trouvé qu'il était opportun que nous puissions nous entretenir et qu'il puisse encore fortifier dans ses services pour le Seigneur. Alors, ce message, c'est donc pour tous ceux qui sont venus dans cette cérémonie cet après-midi. Alors, c'est très très important de comprendre ces choses, qu'il y a une bénédiction lorsque le couple sert Dieu, lorsque nous servons Dieu en famille. C'est vraiment un privilège de pouvoir servir Dieu. Mon objectif est que nous puissions comprendre cette importance et ce thème et ce sujet pour que nous puissions ensemble servir le Seigneur dans la paix, la sérénité, selon sa parole. Pour ceux qui servent Dieu, ou bien dans ce service, il y a deux lois qu'on doit observer. Lorsque le couple ne va pas bien, le service de Dieu aussi ne va pas bien. Et c'est pour cela, c'est très très important de nous fortifier dans le Seigneur, fortifier nos couples dans le Seigneur pour être efficaces pour l'œuvre qu'il a confiée à chacun de nous, le ministère que nous sommes en train de faire pour la gloire de son nom. Je bénis le Seigneur pour le frère Évariste. Quand je viens dans cette église, je les vois toujours ici, quelque part ici, en train de chanter. Amen. C'est plus facile aujourd'hui dans les églises d'avoir des hommes fidèles ou des femmes fidèles. Nous bénissons les Seigneurs pour des hommes comme ça.
Et la maman Julienne, j'ai appris qu'elle s'intéresse au ministère de maman. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les amis pour cela. Et c'est pourquoi j'aimerais nous entretenir sur cet thème, servir. Servir, servir en tant que famille. Bon, il y a des lois et je vais énumérer quelques lois dans ces services en tant que famille pour les seigneurs. La première loi que nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu et dans ce texte que nous venons de lire, c'est la loi de l'accord. La loi de l'accord. Le texte que nous venons de dire nous dit « Deux valent mieux que un. » Deux personnes faisant la même chose ensemble produiront toujours plus de résultats que si elles travaillaient séparément. Et c'est spécialement le cas dans un mariage où chaque partenaire complète l'autre. Lorsque le mari et la femme aiment le Seigneur et s'engagent à le servir ensemble, ils deviennent une force qui accomplit des exploits dans le royaume de Dieu. Ils deviennent cette force qui va dépeupler le royaume de l'ennemi pour peupler le royaume de Dieu et ils deviennent efficaces. Cette loi de l'accord, il y a des choses qui se passent lorsque le couple s'accorde dans la prière, lorsque le couple s'accorde dans l'adoration, lorsque le couple s'accorde dans la décision à prendre, il y a la main de Dieu et la bénédiction de Dieu. Lorsque l'accord manque dans le couple, même si on prie à côté, séparément dans les sujets de prière, je pense que la prière sera bloquée, la prière ne produira rien. Parce qu'il n'y a pas l'accord dans la prière. Mais lorsqu'il y aura l'accord dans la prière, l'unité dans la prière, quelque chose va se passer dans le monde céleste. Et il y aura un bon salaire et il y aura un bon résultat. La parole de Dieu n'était-il pas, mais ne dit-elle pas, que ce qui est lié sur la terre, est lié aussi au ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié aussi au ciel. C'est là la puissance de l'accord. Alléluia. Amen. Parfois nous pensons que c'est ce qui est au ciel, qui est lié au ciel, qui est délié sur la terre. Ça c'est ce que nous pensons, mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à l'accord, à l'unité. On sera inébranlable, on sera invincible lorsque on s'unit pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Tout-Puissant. La deuxième loi que j'aimerais relever en parlant de la loi dans le service de notre Seigneur en tant que famille, c'est la loi du but. La loi du but. Et j'aimerais que nous puissions lire dans le livre des Actes, au chapitre 1er, le verset 3, acte chapitre 18, je m'excuse, acte chapitre 18, le verset 1er, jusqu'au verset 3. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir des Roms. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chef chez eux, et y travailla. Ils étaient faiseurs des tentes. Amen. Donc voici ce couple de Aquilas et de Priscille qui servaient Dieu à Rome. Et il y a eu la persécution à Rome sur justement les chrétiens. Et voilà qu'ils se sont déplacés, ils sont arrivés à Athènes, ils vivaient à Athènes. Et là, on nous parle également de Paul qui est... Et là, il va trouver ce couple d'Aquilas et de Priscille, des serviteurs de Dieu. Et ils avaient un but. Ils travaillaient ensemble. Hein? On nous dit qu'ils étaient faiseurs des tentes. Et donc, l'unité dans la famille...
L'unité concerne ce que nous faisons, mais le faire avec un but, c'est très très important, c'est très très intéressant. Alléluia. Il faut avoir des buts dans la vie. Et même le mariage, c'est pour un but. Il y en a qui se sont mariés pour de mauvais buts. Il y en a qui ont choisi, c'est une question que je pose souvent aux jeunes, je suis avec tous les jeunes presque tous les jours. Alors la question était de savoir, si un jour vous devriez vous marier, c'était pour quel but? C'était pour quoi? Est-ce que c'est pour quitter les toits familiales? Est-ce que c'est pour avoir un appui financier? Est-ce que c'est pour la robe? Non, parce que j'ai appris dans ces réponses qui étaient données, il y avait ce qui cochait que je me marie pour la robe. Alors, ce que je viens d'énumérer, ce ne sont pas des bons buts, des bons, je dirais aussi, des bons motifs pour pouvoir se marier. On ne peut pas se marier juste pour quitter les toits de la famille, les toits de la maison. Il y a des buts pour lesquels on doit se marier. Se marier pour quel but? Alléluia. Avoir une femme, pour quoi faire? Avoir un homme, pour quoi faire? Alléluia. Et il y a même quelqu'un qui était responsable dans une église, quand il a commencé à se marier, en présentant son dossier du mariage, et la fille qui lui demande, mais pourquoi tu veux te marier? Il dit, vous savez, toute l'église me dit que je dois me marier maintenant. Et comme on veut aussi me nommer, alors le pasteur m'a dit que c'est pas bien, tu es encore célibataire, on veut te nommer. Alors, je vais me marier pour ça. Ce n'est pas une bonne raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher une bonne raison pour se marier. Alléluia. Amen. Il faut trouver un but à sa vie. Pourquoi se marier? C'est très très important. Et Paul, plutôt Aquilas et Priscille, ils étaient en train de servir Dieu ensemble. Alléluia. Ils avaient un but, c'est servir Dieu ensemble. Gagner les âmes, c'est pourquoi être dans la présence de Dieu ensemble. Travailler pour Dieu ensemble, c'est très très important. Alléluia. Même quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, c'était pour travailler le jardin. Alléluia. Le travail, c'est très très important. Et le travail de Dieu, le travail avec Dieu, c'est très très capital. C'est pourquoi mon message aujourd'hui s'intitule « Les services en tant que famille », plutôt « Servir en tant que famille ». C'est très très important. Dieu appelle le mari, Dieu appelle la femme à un but commun. C'est l'homme a un mot à dire dans ce ministère. L'homme a un mot à dire également. Alléluia. Et là, ils devaient servir Dieu ensemble. C'est très très capital. C'est très très capital. Et Paul a compris qu'ils avaient un but. Ils sont en train de travailler, ils sont faiseurs de tentes. Ils servaient Dieu. Ils produisent quelque part. Paul s'est dit, je vais m'attacher. Il s'est lié d'amitié avec ce couple qui avait un but dans la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire qu'il faut voir les couples avec lesquels vous vous attachez. Ça doit être les couples qui vous attirent dans le bon. Les couples qui vous montrent la bonne voie, le bon chemin à suivre. C'est très très important. Les couples qui inspirent, ce sont surtout les couples qui travaillent pour les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Un couple qui travaille pour Dieu, eh bien, travaillera aussi pour les autres choses. Ensemble. Et c'est pourquoi ils étaient ensemble dans les services et ensemble faiseurs de tentes. On nous dit que ce couple était un couple de faiseurs de tentes. Ils travaillaient de leurs propres mains. C'est très très important et c'est très très capital. Je vais avancer. Alléluia. La loi de l'échec.
la loi de l'échec. Je n'invente pas cette loi. La loi se trouve dans les Saintes Écritures. Ecclésiaste chapitre 4 que nous avons lu. Ce texte nous montre qu'il peut y avoir parfois des échecs dans le service, dans les cheminements qu'on fait, dans la vie. Il peut y avoir des échecs. La parole de Dieu nous dit, Ecclésiaste chapitre 9, jusqu'au chapitre 4, le verset 9, jusqu'au verset 10, deux valent mieux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. L'essentiel qui pouvait arriver, mais c'est pourquoi Dieu a planifié, Dieu a prévu que comme il y aura les échecs dans la vie, qui est aussi un moyen de réussir. Et ce moyen de la réussite, ce moyen de la restauration, passe aussi par les couples. Alléluia. Adressé aux couples. Chers couples, chers frères et sœurs, le couple que vous constituez, ce n'est pas pour vous enfoncer mutuellement. Le couple que vous constituez, c'est pour que, quand il y a le temps difficile, au lieu de s'enfoncer, ou bien au lieu d'enfoncer l'autre, mais que l'autre le relève, que l'autre le tienne par la main, que l'autre le console. Voilà pourquoi Dieu a placé le couple. Si l'un d'entre eux tombe, l'autre le relève. Malheureusement aujourd'hui, il y en a qui se sont décidés d'enfoncer l'autre. Les couples, ce n'est plus un couple où on doit se relever, c'est un couple où on veut s'enfoncer. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a prévu qu'il y ait un relèvement, un soutien mutuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important. Dans les failles que nous avons, notre rôle en tant que couple, ce n'est pas d'agrandir, de grossir les failles. C'est réduire les failles, chercher comment les boucher. Alléluia. J'ai écouté un prédicateur ce week-end. J'ai compris que c'était aussi la voix de Dieu pour que je puisse vous faire parler ça. Ce sont des choses qui circulent dans les réseaux. Ce prédicateur disait ceci concernant les soutiens des uns et des autres. S'adressant aux hommes, il disait ceci, que l'homme est là pour changer sa femme, pour cultiver sa femme, pour transformer sa femme. Alléluia. Il disait que quand Dieu a placé Adam et Ève, Dieu s'est adressé à Adam. Il lui a dit tout ce qu'il fallait dans le jardin. C'est l'homme qui avait le secret de protéger la femme. C'est l'homme qui avait le secret de garder la femme. C'est comme ça que tu vas cultiver la femme. Ce n'est pas de dire, voilà, tu es mal habillé, toujours en rouge. Mais dis-lui que, est-ce que tu ne peux pas mettre du rose aussi? Alléluia. Tu cultives la femme, tu la cultives. Tu trouves qu'elle n'est pas instruite, qu'elle fait des fautes de français. Au lieu de lui dire, quand il y a des visiteurs, ne parle plus. Père le Minerval, il va faire une formation. Alléluia. Fais la formation. Comme ça, tu vas corriger tes erreurs. Et c'est comme ça qu'on va cultiver. Alléluia. Alléluia. Si l'un tombe, l'autre le relève. C'est ça. Dans le chèque, on est là pour se soutenir. C'est soutenir mutuellement. C'est très très important, ces éléments que nous sommes en train de partager. Que Dieu nous aide. Que Dieu parle à nos cœurs. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous fortifie dans cette œuvre que nous avons à faire ensemble. Le service en tant que famille, c'est très très important. C'est très très capital. Voici cette autre loi. Je suis à la loi numéro 4, si je ne me trompe pas dans mes énumérations. C'est la loi de l'hospitalité. La loi de l'hospitalité. 1 Roi chapitre 4, le verset 9 et le verset 10.
Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. » Soin. Mais ce que nous devons souligner, que c'est le mari qui a construit le besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il reçoit le besoin. Elle présente le besoin. Et le mari construit le besoin. Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'accord. De l'entente. C'est très très important. La loi de l'hospitalité. Mon frère, ma soeur. Cher Évariste, cher Julienne. Que votre maison soit une maison hospitalière. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a toujours une bénédiction. Lorsque on pratique l'hospitalité, la parole de Dieu nous dit qu'il y en a qui ont accueilli les anges à cause de l'hospitalité. Alléluia. Amen. Mais ici, c'est une femme qui n'avait pas d'enfant à cause de l'hospitalité. L'homme de Dieu s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la maison. Alléluia. Il a reçu la bénédiction. La bénédiction est entrée dans la maison. Donc, en servant le Seigneur, en tant que foyer, en tant que couple, soyez ouverts à l'hospitalité. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très, très important. C'est très, très important. Vous savez, il y a tellement de choses qui circulent. Et il a pris sa nourriture, il l'a mis sous sa siège, et il l'a caché avec les jambes comme ça. Il commençait à faire les massolos, les bavardages avec les visiteurs. Comment ça va? Et tout ça, comment vous sentez? Et pour que le monsieur ne voit pas ce qu'il mangeait. Et dans l'entretemps, le chien est venu par derrière, et le chien a mangé. J'ai dit, voilà. Dans l'égoïsme, il n'y a pas la bénédiction. Amen. C'est dans l'hospitalité qu'il y a la bénédiction. C'est dans l'hospitalité que Dieu ouvre le ciel. Alléluia. Donc, j'avais entendu qu'il y en a qui changent de plan. Quand c'est l'eau pour faire la nourriture, chez nous, moi, je suis d'origine congolaise, on mange le foufou. Donc, on met le foufou, ça commence à bouillir. Et quand on entend qu'il y a quelqu'un qui vient de frapper, la personne entre, il trouve qu'il y a de l'eau. 5 minutes, la personne ne part pas. 2 minutes, la personne ne part pas. Finalement, l'eau qui était pour le foufou, ça devient l'eau pour se laver. Alléluia. De l'hospitalité, nous avons la bénédiction qui vient de Dieu. Nous avons l'ouverture de portes qui viennent du ciel. C'est très très important. Oulala. Et la loi numéro 5, c'est la loi de l'ordre. Alléluia. Amen. La loi de l'ordre. C'est très très important que nous puissions regarder cette loi de l'ordre rapidement. Lorsqu'il y a des dysfonctionnements dans le couple, il y a des problèmes sérieux. Je ne veux pas lire les textes, mais pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez prendre les textes dans 1 Roi chapitre 21 verset 25. 1 Roi chapitre 21 verset 25. C'est le texte qui nous parle de Akab. Akab, c'était un roi, mais un roi qui était passif. Et comme il était passif, il avait la femme qui s'appelait Jézabel. Alors la femme, elle était tellement active. Alors il a profité de la passivité de son mari et il a commencé à gérer. Il a commencé à donner des ordres dans la maison. Amen. Amen. Maintenant, l'homme ne travaille pas seul. L'homme travaille avec la femme. Maintenant, quand l'homme ne fait pas son travail, il y a un dysfonctionnement quelque part.
Et on a vu que Jézabel, elle était vraiment sanguinaire. C'est elle qui prenait des mauvaises décisions. C'est elle qui induisait son mari, soi-disant, pour faire le bien à son mari, donner des ordres pour que les gens aillent même arracher des biens des autres pour confier ça à son mari, pour que ce mari soit heureux. Ça, c'est un mauvais exemple. Alléluia. Du couple de Joseph. Alléluia. L'homme doit être dans la présence de Dieu. L'homme doit saisir la vision qui vient de Dieu et communiquer la vision à la femme. Et ensemble commencer à cheminer. C'est très très important. L'homme, en jouant son rôle, en prenant, oui, l'orientation, la direction, la vision du foyer, la vision du couple, de la maison, de la famille, c'est d'abord dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Malheureusement, les hommes ont abandonné la présence de Dieu aux femmes. Et c'est pour cela que la femme, saisissant la présence de Dieu, elle peut dire des choses à l'homme parce que l'homme n'a plus le pouvoir de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi de l'équilibre. 1 Samuel chapitre 25, le verset 32 et le verset 33. Là, je suis dans un texte qui nous parle d'une femme qui s'appelle Abigaël. Abigaël, c'était la femme de Nabal. Nabal, c'était un monsieur égoïste et méchant. Il ne pouvait rien lâcher, rien donner. Mais Abigaël était là. Amen. David a travaillé pour Nabal. Il a protégé le bien. Il a servi Nabal. Mais une fois, David était dans le besoin. Il envoie les serviteurs pour demander l'aide à Nabal. Nabal a dit non, je ne peux même pas donner un pain que j'ai gardé pour mes animaux, pour mes champs. Donner ça à l'un des serviteurs de David, je ne peux pas donner. Quelle méchanceté! David s'est fâché et dit, donc j'ai travaillé pour rien. J'ai souffert pour rien pour cet homme. David a pris la décision de dire, je vais aller le tuer. Je vais aussi lui faire du mal, je vais lui faire payer tout ce que j'ai fait pour lui. Et David était fort, David en avait le moyen, David en avait la possibilité, il est venu. Il était en route pour les tuer, tuer ses familles Nabal. Et vous savez ce qui s'est passé. Abigaël, la femme de Nabal, alléluia. Abigaël, la femme de Nabal, est partie à la rencontre et David. Et voici ce qu'il nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 25 verset 23. Abigaël aperçut David et descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds et dit à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal, ta servante, je n'ai pas vu le gens que mon Seigneur a envoyé. Amen. Ça a été la femme pour équilibrer. Alléluia. La femme pour apaiser. La femme pour tempérer les choses. De cette façon-là, pour tempérer les choses. Équilibrer les choses dans le foyer, dans la maison. Vous savez, l'homme, c'est la représentation de la loi. Quand il est là, c'est la loi. Mais la femme, c'est la représentation de la grâce. Alléluia. C'est la représentation de la grâce qui est là. L'homme, c'est la conquête. Mais la femme, c'est la compassion. La compassion et la tendresse. C'est ça, la loi de l'équilibre dans le foyer. Qu'il y ait de l'équilibre entre papa et maman, l'homme et la femme, entre le partenaire. C'est très très important, c'est très très capital. Que Dieu bénisse son Église. Et lorsque vous continuez comme ça, vous ne pouvez pas rater la loi de l'héritage. Alléluia. Amen. La loi de l'héritage, c'est que vos enfants que vous allez s'aimer vont suivre la voie que vous avez montrée. Tout va rouler. Ça sera un héritage qui est pour la gloire de Dieu que vous allez recevoir. Ça sera une bénédiction
que vous allez recevoir de la part de Dieu. Oh, que le Seigneur bénisse les couples présents au milieu de nous ce matin. Amen. Et que Dieu agisse dans la vie de beaucoup de couples afin qu'ils puissent être encore dans l'unité, qu'ils puissent servir Dieu ensemble, qu'ils puissent être fortifiés dans la loi de l'héritage, la loi de l'équilibre, la loi de l'ordre, la loi de l'hospitalité, la loi de l'échec, la loi du but et dans la loi de l'accord. Dieu bénisse l'Église. Amen. Amen. De bénédiction et je veux aussi souligner ici pour ceux qui sont encore en cours de route en retard, bon, voilà que nous avons un mariage qui est un mariage béni vraiment. Amen. Vous savez, quand on va dans un mariage, on est accompagné par des personnes vraiment de calibre, ça fait du bien. Et nous avons aujourd'hui notre doyen. Amen. Papa Tous, il est avec nous, est-ce qu'il peut lever sa main? Alléluia, merci beaucoup. Alléluia. Ça montre qu'il y a un saut, un cachet très fort. Donc je laisse donc la place à notre pasteur, le papa de cette église, pour pouvoir procéder à la loi de Dieu, justement, concernant la bénédiction nuptiale. Merci encore au pasteur Fernand, et j'en profite juste pour dire au couple. Ça fait déjà 6 ans, cette année sera la 6e année où nous organisons la retraite de couple. Ce moment très important. Et le week-end prochain, nous aurons cette retraite pour le couple du docteur Monga Goy. De l'Église internationale et l'hymne international de Bruxelles, cette année, c'est lui qui viendra partager. Et c'est très important, nous vous encourageons. Si vous êtes là, ça vous intéresse, donc vous pouvez me contacter tout à l'heure. Hein, donc, bon, évidemment, le coût, c'est 250 par couple, je ne peux plus négocier. Si vous ne pouvez pas être là tout le week-end, venez, puisque la journée du samedi sera le 7, toute la journée, là aussi, contactez-moi toujours. Et il y a la possibilité, il y a un prix réduit à ce moment-là. Mais ce sont des bonnes choses. Parce que parfois, les chrétiens sont têtus parce qu'ils ne suivent pas. Moi, on a la parole, parfois on dit amen, on peut même applaudir, mais on reste stationnaire, on n'avance pas. Je vous encourage donc quand, pour poursuivre. Donc le week-end prochain, bienvenue hein, avec, sera notre 6e année, 6e retraite, couple épanoui. Voilà, donc ils seront là d'ailleurs, nous vous en trouvons avec vendredi. Hein, c'est du 6 au 8, on sort dimanche matin, et voilà le matin, les gens, ceux qui montent avec nous viennent, ceux qui veulent rentrer dans les églises, donc pas de problème, mais on a reçu quelque chose. Amen. Voilà, d'abord nous allons demander aux deux familles. Donc s'il y a le représentant du frère Évariste, nous pouvons les. Bon, je sais, les parents sont là-bas, hein, sont au Cameroun. Hein, mais il y a quand même le représentant. Oncle, voilà, si vous êtes là, ici ou là, d'abord pour le frère Évariste Maubeu. Alors. Je vois Agnès et puis les autres, où est Mireille? Ah, voilà, c'est très bien. Donc voilà, restez à votre place, il n'y a pas de voix. Merci. Et nous voulons. Ah oui, Mireille, là, je t'ai cherché. Oh, elle est grande taille, hein, Mireille. Hein? Ah, j'ai cherché Mireille. Voilà, elle est là. Voilà.
Très bien, c'est la famille. Merci. Et la famille de Julien. Ah, maman Charlotte. Très bien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et je sais que le frère Evariste est entouré par le couple Afuluta et Ami. Je crois que il est la porte du papa ou la maman. C'est une très bonne chose. Gloire à Dieu. Amen. Frère Évariste et ma sœur Julienne, levez-vous maintenant pour confirmer devant Dieu votre résolution d'être unis dans le mariage. Et j'étais moi-même témoin hier l'après-midi lorsque Évariste et Julienne ont été unis par l'état civil, donc l'officier civil à notre commune de Liège. C'est très important de respecter la loi. Amen. En tant qu'église, et nous encourageons tout le monde de cette manière. Bien, nous sommes rassemblés en présence de Dieu pour témoigner la réaffirmation de ce mariage par l'échange de vœux chrétiens. Monsieur Évariste Mbeu et Madame Julienne Mengoudjou. Vous étiez ou vous êtes mariés déjà. Hein, et hier, c'était légalement devant la loi. Dans ces derniers temps, vous avez appris ce que c'est que le mariage chrétien et le foyer chrétien. D'ailleurs, pasteur Fernand vient encore de nous rappeler quelque chose de bien. Vous avez appris l'enseignement biblique au sujet du mariage et vous voulez réaffirmer votre mariage par l'échange de vœux chrétiens. Le mariage a été divinement institué par Dieu, l'Éternel, au jardin d'Éden, lors de la création. Nous avons tout à l'heure présenté, ou lu pour toute l'Église, l'institution du mariage. L'Éternel Dieu forma une femme et il l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Notre Seigneur Jésus a honoré la célébration du mariage par sa présence en noces de Cana. L'apôtre Paul, militant de Jésus-Christ, le recommande et dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme doit être fidèle au mari comme l'Église est obéissante à Christ. Alors, vous venez ce soir avec le désir de consacrer votre mariage, votre foyer à Dieu, en présence de Dieu, qui est là témoin, et de ces témoins qui sont les chrétiens que vous l'Église. Messieurs Évariste Mbeu et Madame Mengoudjou Julienne, désirez-vous réaffirmer votre mariage et renouveler selon la compréhension chrétienne du mariage? Oui, je l'accepte. Maintenant, vous pouvez prendre les mains droites, tenez-vous dans les mains droites, hein? Tenez-vous les mains droites, vous tenez dans les mains droites, vous tenez comme ça, on vous donne le micro, hein? Voilà. Vous pouvez répéter ces paroles, mes frères Évariste Mbeu. Répétez après moi ces paroles. Moi, Évariste Mbeu. Moi, Évariste Mbeu. Je déclare solennellement. Je déclare solennellement. Garder comme épouse légitime. Garder comme épouse légitime. Madame Mengoudjou Julienne. Madame Mengoudjou Julienne. Les mains,
respecter, la protéger, la protéger. Être son fidèle compagnon, être son fidèle compagnon, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la joie comme dans la douleur, dans la joie comme dans la douleur, dans l'abondance comme dans la disette, dans l'abondance comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie. Jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Lui promettez-vous d'élever pour la gloire de Dieu les enfants que le Seigneur vous a donnés? Oui. Oui, je le promets. Voilà. Dieu témoin. Dieu est témoin, celui qui vous donnera la grâce de tenir vos promesses. Maintenant, je m'adresse à... Merci, Zélédé. Très bien. Antonin, oui. Moi, Julienne Mégoudjou. Je déclare solennellement. Gardez comme époux légitime. Gardez comme époux légitime. Monsieur Évariste Maubeu. Monsieur Évariste Maubeu. L'aimer. L'aimer. Le respecter. Le respecter. Le protéger. Le protéger. Être sa fidèle compagne dans le bon comme dans les mauvais jours. Être sa fidèle compagne. Être sa fidèle compagne. Dans le bon comme dans les mauvais jours. Comme dans les mauvais jours. Très bien. Dans la joie. Dans la joie. Comme dans la douleur. Comme dans la douleur. Dans l'abondance. Dans l'abondance. Comme dans la disette. Comme dans la disette. Dans la santé. Dans la santé. Comme dans la maladie. Comme dans la maladie. Tous les jours de notre vie. Jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Amen. Promettez-vous d'élever pour la gloire de Dieu les enfants que Dieu vous a donnés? Oui, je l'accepte. La grâce de tenir vos promesses. Amen. Maintenant, on peut lire les annonces ou les alliances. Amen. Je peux, mais je peux. Ok, merci. Gloire à Dieu. Je reconnais cela. L'alliance est un symbole de mariage en deux aspects. L'ordre est pur et l'alliance n'a pas de limite. C'est un simple continu. Le mariage ne doit se terminer que par la mort. Comme signe de vos vœux de mariage, vous donnez et recevez ces amis. Voilà, j'avais demandé aux amis d'être libres de prononcer le nom. Voilà, c'est d'abord Julien, ma chérie. Amen. Je te prends cette alliance, signe de mon amour pour toi. Amen. Devant Dieu, je déclare t'aimer. Je t'aimerai toujours. Amen. Je serai avec mes jours. Amen. Jusqu'à la fin.
Et maintenant, vous devez répéter ces paroles après moi, tous les deux ensemble. Hein. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Pouvez-vous les tourner, vous regardez ces gens. Amen. On va reprendre ces paroles. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Maintenant, c'est bon, vous ne parlez plus, n'est-ce pas? À cause des promesses que vous avez faites l'un à l'autre et à Dieu en présence de toute l'Église, votre mariage est établi et reconnu comme un mariage chrétien. Vous n'êtes plus deux, mais une personne. Que l'homme ne sait pas quoi, c'est que Dieu a choisi. Amen. L'église est en train de vous allez vous agenouiller ici pour la prière. Agenouillez-vous. Merci. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons prier. Parce que maintenant, tu peux prier. Et je termine. Donc, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cet événement heureux. Seigneur, pendant le temps où cette institution qui reste du jardin de Eden est tellement combattue, et voici ce couple qui vient encore dans ta présence pour entrer dans cette sainte alliance. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main sur ce couple, de le préserver, de le garder. Je te prie, Seigneur, pour l'amour inconditionnel, l'amour qui ne dépend pas des circonstances, l'amour qui reste stable, parce que c'est cet amour qui vient de toi. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes rassemblés pour bénir ce couple, ma prière est que tu puisses déverser cet amour inconditionnel qui t'a fait quitter le ciel pour venir sur la terre, dans leur vie, dans leur amour. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans ce couple, sur cette famille, en ton saint nom. Les noms de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, pendant qu'ils vont se lever, je vais inviter les enfants. Ils ont trois enfants, et puis je vais terminer par cette prière avec toute la famille. Une fille et puis un autre. Farida, venez ici. Voilà. Alain, à Farida, à fille. Merci Stéphanie. Venez ici, venez, venez. Voilà la toute petite tombée comme ça. Hein? Voilà, messieurs, là. Bien. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te confions cette famille. Variste et Julien. Et ses enfants. Que ta grâce les accompagne. Que ta grâce les entoure. Nous savons combien l'ennemi se tient pour détruire les familles. Et nous nous opposons au nom de Jésus-Christ contre cette famille et demander ta bénédiction. Tu as payé de ta vie, Seigneur, pour que Julien et Évariste soient ensemble avec leurs enfants, qu'ils cheminent ensemble sous ta crainte et dans ton amour. Évariste et Julienne et les enfants, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous donne sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à vous.
cadeau maintenant. Alléluia! Et pour que je voie les mains en l'air, j'aimerais demander à ceux qui sont assis de se tenir debout. Parce qu'ils vont passer. Je pense qu'on peut. On va tourner. Voilà, on va retourner les chaises. Service d'ordre, si vous pouvez nous aider, voilà, le couple va se retourner. Comme ça, c'est aussi une façon de pouvoir vous voir directement. Amen! Vous passez à autre chose. Donc, si vous voulez embrasser le couple, vous allez le faire après. Hein? Donc, pour le moment, vous donnez le cadeau, vous dites bonjour et vous passez. Amen. Amen. Et après, à la sortie, vous allez vraiment les embrasser comme vous voulez. Voilà, nous chantons Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Yes.
soit avec vous tous, de maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir et bon amusement. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous prenez les enfants, vous sortez avec. Ensuite, demain, il y a culte. Pour nos visiteurs, si jamais ça vous tente, vous êtes les bienvenus dans cette église au culte. Amen. Oh,
Yeah.